Connaissez-vous le lamantin des Caraïbes? Heureux comme un poisson dans l'eau, et pourtant c'est un mammifère. Il est herbivore. La salade est son aliment favori. On l'appelle aussi vache des mers. Sa masse est de 400 à 550 kg pour une longueur d'environ 3 mètres. Sa nageoire caudale en forme de spatule peut compter plus de vertèbres que le reste du corps. Comme tous les mammifères, son corps est recouvert de poils. Il s'agit de vibrisses qui permettent de détecter les vibrations environnantes. Cela lui permet de se déplacer aisément dans les eaux les plus sombres. À la naissance, le petit lamantin est allaité par sa mère. Un mamelon se trouve sous chaque nageoire. Ce groupe de lamantins à Beauval comprend une dizaine d'individus qui en fait le plus grand visible en Europe. Cet animal inoffensif peut vivre une vie paisible jusqu'à 30 ans. Dans le passé, ce mammifère marin était lié aux légendes des sirènes et de leurs chants. Il peut vivre dans une eau douce ou salée à condition qu'elle soit au-dessus de 20 degrés. Ses narines en haut de la tête lui permettent de respirer sans se faire remarquer. Il se déplace grâce à sa nageoire caudale, mais ses membres supérieurs lui servent de gouverneur. Le lamantin est considéré comme une espèce vulnérable en raison des activités humaines.